Rebonjour les amis, c'est le dernier film en compétition. C'est triste un petit peu, mais bon, alors on avait quand même un bijou merveilleux à regarder ce matin. Pour ceux qui découvrent le thé japonais ou ceux qui vont à la cérémonie du thé, qui aiment le thé japonais, tenez-vous bien, c'est très sérieux ce film. Et c'est sûr que le thé dans le Japon, dans le passé, a été lié. L'empereur avait son propre spécialiste de thé. Et on entre dans tout cet univers dans les années dans le 16e, 17e siècle au Japon, et c'est absolument très touchant. Il y a là-dedans tous les éléments pour être zen et bouddhiste, la non-violence, il y a de la beauté. Le but de la cérémonie du thé, c'est quelque chose, comme disait le maître de thé, moi je ne mets mon front à terre que pour la beauté et rien d'autre. Et quand vous entrez prendre du thé dans ma petite pièce, là, vous laissez vos armes. Alors, samouraï qui rentre ici, laissez vos épées ici. Alors ça ne faisait pas l'affaire, évidemment, des samouraïs, mais vu qu'il avait, il a gagné beaucoup d'argent, ce spécialiste du thé-là, parce que le roi l'a pris sous son aile. Alors, le film, c'est un film japonais de Mitsutoshi Tanaka. Et on a vu une excellente présentation quand ils sont montés sur scène. Je vous laisserai une copie de ce petit film que j'ai pris quand ils ont monté sur scène, puis ils ont parlé. Et puis il va y avoir un Q&A tout à l'heure que je vais vous laisser aussi. Et les images là-dedans sont fabuleuses. Beaucoup de moyens ont été mis. Et comme le thème un peu c'est la beauté dans le thé, alors évidemment les images sont très belles aussi. Et évidemment, il y a une histoire triste à mourir, là. Il y a le suicide d'amoureux ou du maître de thé et tout ça. Et tout le long du film, on dit, bon, ben, t'es 20 ans avant le suicide, 10 ans avant, 8 ans, 1 an, bon, bientôt. Alors, c'est quelque chose de très touchant, ce suicide pour le thé et toute la dignité qu'on met dans de simples petits objets. Alors, moi, c'est un film que j'ai beaucoup adoré et je recommande grandement, même s'il y en a qui vont peut-être n'aimeront pas le genre plus que ça, mais il faut en voir un comme ça. Alors, merci, à la prochaine.